Ah, l'école, que de souvenirs. Ah, la jeunesse, c'est lointain et c'est pourtant l'avenir. Découvrez donc en caméra cachée le meilleur espoir des trophées du personnel 2020 avec France Gallo et Godolphin. Moi, j'ai reçu un coup de fil tout à l'heure. Oui. Et ça m'a un petit peu inquiétée. De quoi? Je comprends sur... pas du tout, ouais. Là. Tu l'avais récupérée, la valise? Ouais. La valise pour la veille. T'as gagné! C'est pas la valise! Bravo! Bravo, regarde qui est là! Becky, viens! Et donc, au nom de France Gallo et de Godolphin, Patrick Chedvin, ton maître d'apprentissage au petit ailier, va te remettre, avec Madame Cormier, l'enseignante, voilà, va te remettre le trophée du personnel Jeune Espoir 2020. Bravo! Bravo. Tu le mérites, tu l'as pas volé. Merci, c'est gentil. Bravo, mieux Clémentine. Oui, ça va. Bah non, enfin, je sais pas. T'es surprise? Ah bah oui. Non, mais j'ai l'impression que c'est une blague. Déjà, je suis fière de moi. Enfin, je pensais pas du tout, mais je remercie Monsieur Chedville et puis je remercie aussi toutes mes collègues qui m'ont formée parce que c'est grâce à elles que j'en arrive là. Et si je peux aller plus loin plus tard, bah, ce sera grâce à tout ce monde-là. Donc... Et Becky, qu'est-ce que justement elle parle de toi, Clémentine? On est super fiers de elle, c'est nous Clémentine. Elle est vraiment, elle est super. On l'aime avec tout notre cœur. C'est vraiment, c'est une super fille. Patrick, c'est un peu un rayon de soleil, Clémentine. Oui, c'est un enchantement parce que elle a un sourire naturel. En plus de ça, un caractère jovial et sa passion pour les chevaux s'avère tous les jours. Elle est véritablement, c'est véritablement son âme, je veux dire. Elle est attirée par le cheval et elle s'en occupe très bien. Bonjour Clémentine, bravo, tu es la grande gagnante de la catégorie Jeune Espoir. On tenait à te féliciter et à te remercier avec Anne-Marie et Cécile parce qu'on a découvert quelqu'un de motivé, d'enthousiaste, avec beaucoup de projets et qui vit pour sa passion. Et tous ces projets, on est sûr que tu les réaliseras si tu continues avec cet état d'esprit. Donc voilà, encore un grand bravo de notre part. Mathéo, tu gères déjà l'écurie Vielle avec beaucoup de calme et de patience du haut de ton jeune âge. Tu as beaucoup à apprendre, mais tu as cette volonté d'apprendre et voilà, tu vas faire un très bon entraîneur. Et toi, Fanny, écoute, ta méthode que tu nous as présentée est tout bonnement formidable. Et je suis sûr que l'écurie de Grenoux continuera de sortir beaucoup de cracks si tu continues avec cette méthode qui est vraiment la tienne. En tout cas, c'était pas facile de vous départager. Aujourd'hui, c'est toi, Clémentine, qui gagne, mais c'est vraiment vous trois les grands gagnants de cette catégorie Jeune Espoir. C'est super gentil d'avoir vu comment j'étais motivée, parce que c'est vrai, je le suis et je suis motivée à continuer dans la profession. C'est le contact avec les chevaux qui est super ressourçant. Et puis, enfin, je me dis que je pourrais jamais ne pas travailler aux côtés des chevaux. Je me dis que c'est trop important pour moi, que c'est ça qui me fait vivre aussi, enfin, qui me motive, qui me fait lever le matin, qui me donne envie d'aller plus loin, qui me donne envie de découvrir plein de choses sur eux. Et je pense que sans les chevaux, jamais j'en serais arrivée ici. Donc, eux aussi, je les remercie.